Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue notre petit let's play. Alors, Riemann, j'ai dit qu'il puisse faire un petit peu de minage. Bon, on va essayer qu'il ne vienne pas miner, bien entendu, ici dedans. On va essayer de réserver ça à nos spécialistes. Alors, on va faire tout ceci. On va tout démonter, c'est terminé. J'ai aussi laissé Riemann pouvoir faire les joints également, même s'il n'a que zéro. Il y a pas mal de boulot pour tout le monde. On a des nous. Ah! Oh! Lachi. Alors, Lucky, Lachi. Je vais changer ce nom-là, moi, parce que Lucky, c'est vraiment. Donc, Lucky est vache, mâle et femelle. Magnifique. Ah, bah, j'ai aussi un petit peu changé les températures. Je suis passé ici un petit coup plus bas. Température cible 16. On va regarder ce que ça nous donne parce que notre température est trop haute. Là, je suis 26, je suis vraiment tout juste. 28, je suis pas bon. 27, c'est pas bon. 26, c'est pas bon. Mais je suis occupé de faire fermer toutes les portes pour l'instant. Celle-là y comprise. Pour essayer de tout diminuer. Là, je suis à 25. Et pourtant, il ne fait que 67 dehors. Hein. Tu vois, là, 20. 27, c'est trop. Donc, on a dit que Lachi est vache. Alors, Lachi est vache. Lachi, c'est là. Et on ferme toutes les portes ici aussi, bien entendu. Il y a une porte là qui m'embête, qui n'est pas encore fermée. Parce que là, il fait 49. Hein. Bon, on va toutes ces portes-ci aussi. Donc, il me faut une belle... Ouais. On va demander ça à notre ami mobilier. Un lit double. Et on va espérer que ce lit double puisse faire affaire. Ensuite, on va enlever le lit de Miss Vache. Qui est excellent, ok. Et c'est Dan qui va pas s'en occuper. On verra. On va creuser un petit peu aussi ici. Il y a encore beaucoup de boulot. Ça, je suis assez content que nous ayons des amoureux. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, Lucky vient virer ça et Libellule, tu fais la porte en arme. Ben, tu vas commencer par ceci, ma belle. Vas-y, essaye de m'en faire un bien tout de suite, comme ça on n'a pas besoin de le recommencer. Vive-moi la température, j'ai du mal à descendre de température. Hein. Ah voilà, ça y est, ça descend. Toujours 25. Tu vois là, 26. À 26, c'est ce qui fait chaud. Ouais, je sais bien, tu peux dormir avec vache, hein. Ça c'est tout à fait logique. Hein. D'ailleurs, tu vas pas dormir maintenant. Allez, moi que tu en as fait un excellent tout de suite. Je te remercie, ma belle. Ça, c'était superbement bien joué. Et donc, Libellule, t'en profite vite avant d'aller dormir, d'aller me porter le lit double.
Voilà, et maintenant, nous pouvons Naki et Vache. C'est bien juste. Naki et Vache. Parfait. Excellent. Voilà. Ah ben ça me fait plaisir, vous savez. Ça me fait très plaisir. 25 degrés. Toi, tu as 24. 25, 24, ok. Donc là, on est de nouveau bon. Mais il ne fait que 62 degrés, là. En tout cas, on a redescendu un peu partout. Ici, il fait combien? Là, j'ai 5 degrés. Mon frigo, moins 6. Alors, j'ai demandé d'agrandir un petit peu. J'ai modifié, bien entendu, les zones. Hein, on va pouvoir mettre un petit peu parce qu'il n'y a plus de place pour le lait. Donc, on va pouvoir le bouger, le lait. Ah, ils font l'amour, les petits, dans les sky. Ça, c'est bien, mes enfants. Et... Oh, ça, c'est où, ça? Oui, j'avais ça dans un stockage, moi. Ah, j'avais pas vidé le monsieur, là? Montre-moi un peu ton matériel, toi. Ah, y'a plus rien. Il te reste un couteau, mon pauvre ami. Ben oui, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ok, ici il fait combien? 31, donc c'est vraiment limite. On va surveiller un petit peu Rimen en même temps. Je veux savoir ce qu'elle me fait. Alors s'il y en a un qui veut se faire appeler, un de vous qui regardez, veut se faire remplacer les noms, hein, comme on a ici des Rimen, la Gilles, Issa. Vous êtes les bienvenus, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors j'agrandis encore un peu, hein, pour pouvoir descendre la température, toujours. Plus c'est grand, plus vous aurez une bonne différence de température. Et normalement, il faut essayer d'avoir une pièce carrée. Ça, c'est l'idéal, une pièce carrée. Parce que la température est calculée sur le cube de l'espace. Et donc, plus vous avez votre pièce un petit peu de travers, ben, moins bien ce sera. Mais bon, là, on tourne de nouveau, hein, comme vous pouvez le voir. On a de nouveau 40% de pouce. On va vérifier que notre ami Rimen ne nous fait pas la folle. Vérifier également. Que nos zones. Colon intramuros. Ah, beaucoup mieux comme ça. Ah oui, j'ai également mis une zone ici. De stockage pour les pierres, enfin pour les blocs de calcaire, c'est quoi que j'ai demandé, hein, c'est ça, pour les blocs, hein, bien entendu, parce que sinon ça va, il y en aurait trop ici, ça serait un petit peu gênant.
Température 23, ça va cette fois-ci, on est reparti correctement. 23 et 25. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus. Il faudra que je vérifie quand nous serons revenus en température correcte. 75. Ouais, on est bon là. Avec toutes mes portes fermées. Et 75 à l'extérieur. Là, c'est limite 26. Mais normalement, là, je pense que c'est bon. Ok. Et celui-ci, 23. Ok, pas de problème. Mes cœurs. Ah, tu as fini ton dernier bidule. Donc, tu nous as fait quoi? Un pistolet bon et deux normales. Bof. Ah, non, tu m'en as fait un bon ici. Ok. Donc, mes cœurs a fini. On est bien embêté avec ça. Parce que mes cœurs, je voudrais que tu me fasses autre chose. Déjà, on va regarder un petit peu si tu es piégé à l'intérieur. Ouais, t'es piégé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu pourrais me faire, mon ami? Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Parce que là, mes cœurs, est-ce que tu gagnes ou pas de l'artisanat? Ça m'étonnerait beaucoup. 1500, tu vois, on perd. Par contre, à mon avis, tu gagnes en cuisine, alors, c'est ça? Tu gagnes pas en cuisine non plus. En intellectuel? Ah oui, non, c'est pas, c'est au nombre de trucs qu'on fait. Bon, va falloir qu'on crée une nouvelle petite chose. Ici, on ne peut plus rien faire, je pense. On est coincé. Il me faut... On va faire des composants, je crois. On va faire des composants. Bah, on va aller jusque 50. Et on reprend à 37. Voilà. Comme ça, Maker ne perd pas. T'as vu son humeur à Maker? Alors, qui est-ce qui a un coup de chaleur? Sky a eu un coup de chaleur matériel. Tu peux aller à 62. Ok. Voilà, à l'intérieur, ça ira. Hein. Alors, mes lampiottes sont mises pas trop bien, on dirait, pour toi. T'es un petit malin aussi, hein, au lieu de faire comme tout le monde. T'as plein d'endroits ici, mon ami. Pas votre boulot. Bon, est-ce que notre ami Randy aujourd'hui va-t-il se décider à nous changer un petit peu la vie? Hein? Ça serait une bonne idée, gars, vous croyez pas? En tout cas, Rimmel nous fout la paix. Elle fait quoi, Rimmel? Ah! Le seul truc que tu peux pas faire, ma belle, c'est ça. C'est le seul truc que je ne veux pas que tu me fasses. Donc, cher ami, vous allez venir ici. Sacré Rimmel, va.
Eh bien, pourquoi vous n'allez pas dormir, ma belle, hein? Parce que là, ça avance pas vite avec vous, hein? Bon, c'est petit à petit, hein? Alors, bah oui, petit à petit. Voilà. Nous avons heurté machinerie compactée, mais c'est génial, ça. C'est génial, le nouveau. On a plein de machinerie. Ok. Bah, au moins jusque-là. Alors, Rimmel, tu peux pas transporter, bien sûr. Alors, votre température, 21, on est bon, 19. Mes cœurs. Je voudrais que tu ailles un petit peu dehors, mes cœurs. Tu vas aller un petit peu dehors, mes cœurs. Viens un petit peu dehors, mes cœurs. Viens ici. Alors, les besoins d'extérieur. Allez, alors, on se termine. Va faire ce que tu veux, mon ami, maintenant. Alors, les animaux, un mâle, tout le reste, c'est toujours bon. Un S, j'en ai trois qui transportent, oui, le quatrième n'est pas encore à point. On a heurté, mais en attendant, on va déjà démolir tout ceci. Et enlever le sol de celui-ci. On va déjà voir un peu plus clair grâce à ça. Ensuite, on a heurté de... je suis très très heureux d'avoir trouvé de l'or, bien entendu. Et l'or est ici, Monseigneur. L'or. Bien entendu, vous allez tous où il n'y a pas de lumière, quoi, hein? Ça la fout un peu con, quand même. Sky, tu voudrais pas venir, venir dans ce coin-ci, par exemple, hein? Voilà, et Becker, ouais, toi tu peux creuser, là. Après, tu viendrais ici. Hein, comme ça, ça m'ouvrirait un petit peu. Là. Ah, ça y est. Nous avons une bidule. Alors, Nexus parallèle, c'est chez nous. 28 rues, les petits gars. C'est pas... un cadeau, ça, hein? Infestation de 28 ruches. Alors, tu me donnes quoi pour ça? Tu me donnes un noyau, du plastacier,
ou du mexérum et d'uranium. 28 ruches. Waouh. C'est beaucoup, hein. Mais on va faire ça, hein. Maintenant, on va voir où ça va nous tomber sur le nez, hein. Expire dans 5 jours. Ok. Ok, bon, on va accepter ça. Mais bon, on va avancer un petit peu dans notre boulot d'abord. Libellule, tu vas jouer de la harpe. C'est une très bonne idée. Ok, ben nous voilà. Avec une petite lumière. Ici par contre on a du mal à tenir, hein, 8 degrés, mais bon ça va, hein, c'est quand même frais, hein, c'est en dessous des 10 degrés, donc toi t'es là depuis longtemps, hein, le psychoïde, vous autres vous êtes tranquille, hein, 3 ans, ça va, ah, 71 de nouveau. Et là, je pousse. Pas beaucoup, mais je pousse. Je pousse. Ah ouais, on va regarder un petit peu notre température, notre bidule ici. Est-ce que ça augmente? Ouais, on va bientôt pouvoir le couper. C'est bon. Ah, si je pouvais avoir encore un petit couple. Petit couple en plus, ça serait génial, hein. Ah, oh, t'as vu Libellule, la vitesse à laquelle elle a été. Monte-toi un peu, Libellule. Tu devrais normalement être à 75%. Et t'es à 75%, ce qui est assez bien. Mon petit chauve. Bah, il devrait bien progresser dans son artiste. 18-30, ça y est, comment ça a bien monté, hein. D'ailleurs, il va continuer. Hein, il n'y en a plus beaucoup, là, voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Grizzly a une inspiration pour le dressage. Donc, apprivoiser, oui, même. Pour ça, il faudrait avoir des bestioles à apprivoiser. Comme par exemple un truc beau, ce qui me ferait très plaisir. Parce que le fait de l'apprivoiser me donnera 50% de fourrure, de trumbo en plus, bien sûr. Alors, Rimen, toujours occupé à faire des trucs que tu ne dois pas faire, ma belle, hein. Hein, ma belle. Eh bien, toi, tu vas... miner le calcaire, là-bas. Tira manger. Tous les autres sont bons. On aurait vraiment fait tout à l'envers, les gars.
Il ne reste plus beaucoup par là. Hein. C'est marrant qu'ils fassent comme ça. J'ai l'impression qu'ils fassent le plus près d'eux quand ils démarrent leur truc, quoi. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ah, ils vont être super bien lâchés, vache. Ça faisait longtemps, ma belle. Ce qui nous donne de nouveau des places libres. Hein. Une place libre ici. Bon, c'est tout, quoi. Et alors, un truc ici. On va pouvoir, après, récupérer des... On en a deux, là, qui traînent. Et ces deux-là, ben, on va les récupérer pour enlever des parties comme des poumons, par exemple. Ok, je crois que là, on est passé au maximum. On est passé au maximum. Donc, on souhaiterait désactiver ceci. Et voilà, la chia a été très vite me faire ça. Ok. C'est très bien. Bon, il fait pas beaucoup dehors, hein, non plus. Alors, on surveille Rimmel de nouveau. Et on a encore du métal ici aussi. Donc on va déplacer cette lampe. Déplacer ce truc ici. Et celui-ci, on va le mettre. Alors. Un mariage est prévu déjà d'Anne et Sky. Mais c'est génial. C'est génial. Ils ont encore un petit bug à ce niveau-là, dans le jeu. Ah ouais, on a fini les... Tactique de recrutement pour le show. Ok, il nous faudrait quelqu'un dans les 8 jours. Ça serait sympathique. Pour ça, il nous faudrait un petit raid. Mais bon, là... On a déjà eu des quêtes, c'est déjà pas mal. Hein, on va pas se plaindre de trop. Bon, c'est pas une des quêtes les plus faciles. En tout cas, c'est une quête.
Ah, ça dépote, hein? Ça dépote, mes petits gars. Ah, ben, il n'y a plus besoin. Bon, je commence à avoir un petit peu trop de médicaments. Donc, on va. Combien t'es? 73. Donc après, on va te demander de... Bon, Rimen, tu me fais quoi, toi, Rimen? Tu manges de la pâte et puis tu te reposes, ok? Ça, c'est pas bien, ça. J'ai du riz qui commence à pourrir. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a trop de riz. On voit qu'on est somme à 7796. On a trop de riz. On a trop de riz. Par contre, on n'a plus de viande. Oui, donc normalement, il devrait m'en faire pour les animaux. Et regardons un petit peu nos animaux, comment ils vivent. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec nos bidules? On en a trop. Donc, si on en a trop, on va en modifier quelques-uns. Bon, ça c'est maintenant, il n'y a plus de viande aussi. Mais on va bientôt avoir de la viande, puisqu'on va, on va avoir beaucoup de viande d'ailleurs. On va en avoir beaucoup. J'ai trop de lait aussi. Donc on a une autre possibilité, c'est d'agrandir le frigo déjà. On va commencer avec ça. Nous allons vérifier que le frigo a... On peut agrandir ici ou ici. En tout cas, au moins jusque-là. À mon avis, jusqu'ici. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup comme ça qui va pourrir? Normalement, je pense pas. Hein, Il devait vraiment être un vieux bidule qui devait traîner quelque part. On peut également s'amuser peut-être à faire un petit peu de ceci. Mais il va falloir que j'accepte le chemfuel ici dedans, alors, ou faire un autre endroit pour du chemfuel, comme ici par exemple. Bon, on va agrandir, hein. Hcam Fuel. Et on va augmenter la tâche.
Alors, comment ça marche ça? Ça, c'était avec des viandes. Ok. Ça, c'était avec des viandes. Et celui-ci, c'était avec des végétaux. Des viandes et des végétaux. Des viandes humaines, ok, et des végétaux. On va demander que ça soit rimen. Et on va l'augmenter pour en avoir. Voilà, on va faire 350. Et on va le reprendre à 300. Voilà. Alors 350, 150, 300, 375. Détail, mais on lui dit de reprendre, ça marche pas, non. Alors, on va reprendre à 300 pour Madame Rimen, s'il vous plaît. Et il va falloir une bonne chaise pour cela. Et donc, on va demander à notre ami Ordre Mobilier. Nous souhaiterions un petit fauteuil en tissu. 1 et 2. Ça devrait être fait. Ensuite, on voit qu'il nous reste encore ici des pièges. Donc, ils devraient bientôt disparaître aussi. Ça s'ouvre. La chaise qui est ici est bonne. Est bonne. Donc, en attendant, on va déjà. En attendant, réinstaller ici. Bon, on a refait un petit peu le plein en métal. Je dis un petit peu, hein, pas énorme, mais un petit peu quand même. Donc, dès qu'on a terminé ceci, on va lancer notre. Le scanner, écran de recherche. Qu'est-ce qu'on serait de joli maintenant? On pourrait se faire des. Bonne question. Donc l'analyse moléculaire me donne un activateur d'immunité, un gastro-analyseur. Donc lui, il donne une vitesse de cuisine de plus 5. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sincèrement, ça ne sert strictement à rien. Et l'activateur d'immunité me donne une vitesse de réponse immunitaire de plus 8. Ouais, ça m'intéresse pas, quoi. Oh, c'est des rations de survie. Alors, ce qu'on peut également maintenant lancer, on peut se lancer une production, une recherche pour le forage en profondeur. Alors ça se trouve dans un scanner géologique. Un composant avancé pour ça. Alors on
pourrait le positionner ici. Mais on pourrait aussi le positionner ici, par exemple. Ou ici. Et ouvrir le toit. Mais ça va pas travailler du tonnerre dans la chaleur. Où est-ce qu'on pourrait mettre cette histoire là? On pourrait le positionner ici. J'ai du toit épais. Non, c'est quoi comme toit ça? Bon, c'est un plafond de pierre fin. Ouais. On va le mettre ici. Je pense que c'est ce que je veux faire. Et on agrandira un petit peu. Donc il me faut le tourner ici. C'est combien de places? Moi c'est 4. Comme ça non. Pas 4. C'est 6. Ok. Donc il faut que je le positionne comme ceci ou comme ceci. Ok, on va le mettre là. Ah, 6 places. On va ouvrir 6 places en plus là-dedans. On va ouvrir 6 places en plus. D'accord. Zone. On va tester ça. Piégé sous terre, Imen. Ok, théorie, Imen. Ben, mets un peu dehors. Ouais, t'as la claustrophobie et tout. Par contre, t'aurais pu rester écrit hein, avec mon copain là. Il va falloir que je mette un peu plus de jeu à l'extérieur. Alors, en plus, nous avons notre ami Nibelul ici. Bon, allez, fais-moi quelque chose de mieux que ça, ma biche. T'es capable de le faire. Que bon. Alors, bon, je crois que c'est 0,9 quand même. 0,9. Parfait. Donc, ça, on va le désinstaller. Rimen, dès que t'es bon. Ouais, viens ici. Désactive, même si c'est anarchiste. Et voilà, et réinstaller.
Oui, même. Ok, tu vas bouffer après, ma biche. Alors, nous avons Maker, il faut que je le surveille aussi de nouveau. Tu en es où? Tu fais des joies de Smoke Leaf. Bon, tu es encore à 20,92, ce qui est pas mal. Ouais, tu es de nouveau bloqué à l'intérieur. Alors, on a ouvert ici, logiquement. Donc, il me faut mettre l'autre siège. On va le positionner ici. Ensuite, nous allons mettre divers notre scanner. Scanner vient ici. Alors, gros avantage, c'est qu'en étant là, il me faudra aussi de la lumière ici. Mettre dans la lumière parce que là il fait sombre. Hein. Et il va me falloir de l'électricité aussi. Donc, on va s'occuper de tout ça. Petite loupiote. Et on va la positionner ici. Très bien. Ensuite, il me faut du jus. Le jus, il vient d'un électrique et bon, de l'électricité jusqu'ici. Et ça devrait être bon. On va maintenant également commencer à regarder des zones des animaux. Les zones des herbivores n'ont plus rien à faire ici dedans. Plus rien à faire non plus dans cette région-ci. Les herbivores intramuros, c'est la même chose. Carnivores, c'est la même chose. Changera après, hein, mais. Ensuite, on va leur donner la possibilité maintenant de venir. On a encore un petit peu de travail. Ça se termine. On a bien travaillé, je dois dire. Au niveau du minage, je préfère miner chez moi, hein, tant que j'ai de la roche comme ça, autant profiter pour mettre les infestations dans des endroits où j'en ai rien à cirer et qu'elles viennent, ou c'est pas grave, je veux dire. Ou en tout cas, c'est beaucoup moins grave.
Nous sommes le 10 juillet, 10 juillet août, et je voudrais en profiter ici pour changer de plan et de me mettre, tu vas me mettre du smokeleaf, et ici tu vas me mettre du coton. Voilà. On a pas mal progressé. Est-ce que j'ai toujours de l'énergie ou pas? 440, ça monte. 450, ça monte bien. Ok. Alors, maintenant que nous avons ceci, on va regarder si je peux mettre un toit à un endroit quelconque. Admettons que, est-ce que je pourrais me mettre un toit ici par exemple? On va demander et on va regarder si ça marche. Ou bien si il faut absolument les 6 cases. D'ailleurs, on va en profiter puisque j'en ai remis 6 cases. Il va falloir que je remette au moins 6 cases supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bâtiment inutilisable à cause du toit. Donc c'est foutu, on ne peut pas. Il faut absolument les 6 zones. Retirer une zone, non, ça n'a aucun problème. Ici, nous souhaitons... Voilà. Et anarchiste, tu vas me faire ça, mon ami. Voilà. Merci mon ami. Donc, qui est-ce qu'on va mettre là? N'importe qui, on va dire. Qui est-ce qui peut travailler ici? Donc, scanner géologique. Travail. Et on va checker ça. C'est rechercher un scanner longue portée. Et ça, c'est quoi ça? Un scanner géologique. C'est un scanner géologique, hein, je ne me trompe point. Scanner géologique, ok. Travail. Un scanner géologique. Nous avons Jean, nous avons Libellule. Qui est-ce qui aimerait bien ça? Ça, non. Alors, on a quoi? 6. On a ici 13 pour Maker, mais non. On a 8. Donc, les gens qui aiment bien, c'est lui. Donc, on va te mettre en 6. Voilà. Toi, je ne veux pas trop, non. On peut te mettre en 8, quoi. Voilà, toi, vache, on va te mettre en 8. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Non. Et ça, on va te mettre en 8. Ok, Grizzly, as-tu quelques capacités intellectuelles? On dirait pas trop, hein? Non. Pauvre Grizzly, bah, elle n'a pas de capacité intellectuelle. Allez, on tourne. Est-ce que Jean a terminé? On dirait que Jean a fini. Non, il n'a pas fini. Et il me fait quoi, Jean? Ah non, c'est pas... Donc l'avantage ici, c'est que... il te fait comment? Extérieur 58.
Donc, tu ne progresses pas au niveau de. C'est ça que je cherche pour le moment. Tu perds. Donc, il faut que j'ouvre un toit au-dessus de toi aussi. Et ça, c'est un petit peu gênant. J'aurais préféré m'en passer. Mais on va faire comme ça. Comme ça, la personne en même temps profite. Et on va continuer à creuser un petit peu plus encore. Ça, on va vérifier qu'on est ici. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est toujours bon. Ouais, c'est bon, pas de problème. Par ici. Ici, on a totalement terminé. L'ensemble des choses. Ok, donc désinstaller, désinstaller. On prend celui-ci et on va aller le repositionner. Réinstaller. Ah, viens ici. Parfait. Alors, j'ai pas terminé. On va agrandir la zone. Ici. Et on va agrandir cette zone-ci comme ceci. Non, ça, c'est pas bon. Je veux que tu m'agrandisses ta zone. Et que tu viennes te faire ça comme ceci. Ça veut dire qu'il m'en faut. Là, j'en aurai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si je m'en prends 12 fois 75, 750 et 150, ça fait 900, ce qui est suffisant. Donc, on va pouvoir supprimer ainsi toute cette zone ici et ici. OK. Ensuite, nous prenons cette zone. Et nous l'agrandissons. Ici y compris. OK. Bon. Alors, nous allons supprimer de la zone toute cette région. Je voudrais quand même bien avoir un marchand qui s'amène, parce que ça me permettrait quand même de vendre un petit peu de lait, par exemple, si c'était possible, bien entendu, hein. Disons que si c'est pas possible, hein, mais ça me ferait quand même plaisir de vendre un petit peu de bouffe. Ah, grandir zone. Ici, je t'augmente ta zone jusque-là. Ensuite, qu'est-ce que nous devons également modifier maintenant? Les zones des animaux. Alors, je veux enlever tout ceci.
et herbivorine. Ok. Ensuite, carnivore. Carnivore, je te vire tout ça. Ensuite, on va donc ça, c'est fait. Pourquoi est-ce que Allo a des problèmes? Pour rien du tout. Maker. Repousser Barryman. Ok, c'est bien, tu essayes au moins ton coup, quoi. Voilà. Et tu transportes, toi. Alors, toi. Ok. Toi. Parfait, bloqué à l'intérieur toujours, mais ça va encore. Et enfin, Lisa, piégée à l'intérieur également. Ça va. Bon, on a besoin de reconstruire de nouveau certaines petites choses. Oui, Libellule, tu peux pas me faire ça, ok. Donc moi j'ai un petit pépin ici. Avec, eh bien, on va, puisque Lisa. Ok, Lisa, tu vas venir me faire ceci. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je fais ça? Parce que normalement, elle n'a pas le droit de venir ici. C'est un problème. Ensuite, je ne veux pas que ce soit le chauve qui soit ici. Je ne veux plus que ce soit le chauve ici. Donc, le chauve, tu vas. Tu as de l'art en 5, donc normalement tu devrais me faire de l'art. Et tu ne me fais plus d'art parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de pierre ou quoi? Il y a de la pierre. Donc chaud. Il y a besoin de matériaux, ok.
vais... Tu as de la pierre là et tu as de la pierre là. Alors, je suis un petit peu étonné que tu me dises que tu n'as plus de pierre. Comment ça se fait que tu dis que tu n'as plus de pierre? Parce que les pierres sont prises. Bon, tant pis, on va grandir de nouveau, je ne sais pas, pourquoi tu ne veux pas aller plus loin. Ok, donc là tu devrais pouvoir le faire cette fois-ci. Voilà, fabrique une petite sculpture. Je ne sais pas vraiment pourquoi tu m'as refusé ça. Tant pis. On a quelqu'un d'autre qui va aller fouiller. Ensuite, ça monte, parfait. Nous voudrions que Maker me fasse certaines choses. Qu'est-ce que Maker pourrait me construire? On va lui demander de me faire une petite masse ou pas. Bon, j'ai deux excellentes. Qu'est-ce qu'on peut lui faire construire? Il me faut quelque chose que je puisse vendre facilement. Donc sans doute pas un, on pourrait... harpe, des casques, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Un clavecin, pourquoi pas? On pourrait se faire un petit clavecin. On va se faire un clavecin. Voilà. Donc là, on va ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui pourrait nous aider? Ça, c'est un maker. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Toujours dans les composants. Hein? Là, je n'ai rien. Donc pour l'instant, disons qu'on va couper celui-ci, tant que je n'ai pas de place d'acier. Alors là, j'ai 11. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Des prothèses. Ça. Combien tu me demandes pour faire ceci? Je n'en sais rien. Attends. Alors, fabriquer. Ouais. Alors, ça, c'est quoi? Tu veux 25 acier et 15 capsules. Mm-hmm. On pourrait. Et ici, des composants. Ok. Ça, composants, miettes. On pourrait se faire quelques obus. Dans une dizaine d'obus. Et c'est Maker. Ok. Ensuite, nous aurions quoi d'autre? Bouclier d'énergie, j'ai ce qu'il me faut. Les boucliers d'énergie, on va les rajouter quand même. Où est-ce qu'ils sont? Et on va lui dire de faire qu'il m'en faut plutôt répéter jusqu'à en avoir
Il ne m'en faut que 3. Disons, on peut en faire 4. Et les points de vie, on s'en fout. Disons qu'il me les faut bon. Voilà. Jusqu'au moment où j'en ai 4, comptez les équiper. Voilà. Et le nouveau, ça va être notre ami Maker.